Just yelling for that. I'm happy to see you again. I am too, and I've come to the end of my French. Moi aussi, et je ne peux plus rien vous dire en français. Nous ferons des progrès tous les deux ensemble. We will both make progress together. All right. En anglais, en français. Ah, in English and you in French. Oui. Ambassador? Mr. Bozet? Mr. French interpreter. Well. Yes. I never worry, do you? Give me your office. Give me there, don't you, President? And this is the President's private office. This yes. Is where the President is. You have much to talk about today, Mr. President, yes? There will be, but no questions. Pas de questions pour l'instant. Yes, this President Ford in his library and museum now that has been created in his hometown has an exact replica. I went out there for the opening. Almost turned around. I was afraid I was going to have to go to work. Et c'était affolant parce que j'avais l'impression qu'il fallait qu'on était au travail parce que c'était exactement ce bureau. Il avait pas les mêmes proportions. About the same size. Yes, it's exactly. Exactement, c'est tout. It's a very interesting foundation that he has started. Yes. C'est un homme très sympathique en France. C'était un homme très vu avec beaucoup de sympathie en France. President Ford was well liked. I say he's well liked. Oui, ici également. Également. Oui. Bon. Seulement voilà, on arrive le moment où on arrive, on s'en va. C'est le sort de tous. But there comes a time when you come into office, there comes a time when you leave office. It's the fate of everyone. There are times, I must admit, in this office, when being a retired president looks a bit... And in Europe, at least, it's not easy to organize your time so that you have that happy balance. Yes, it's... sometimes when the schedule gets so heavy that you don't think you've got time to be president. And I have come to add to your busy schedule. Not at all. I've been looking forward to this. Nous le voyons toujours dans trop de réunions tout à fait officielles et il est bon de s'arrêter. Alors,
So you and I have to watch out. This has been a very unusual friend-to-friend meeting, and one for which I'm very grateful. President Mitterrand and I have had a very productive day. In the Oval Office and during our working lunch, we covered a very broad range of subjects, which naturally included our preparations for two major summit meetings in June. Très rare, puisque c'est une réunion d'amis à amis qui se passe aujourd'hui. Le président Mitterrand et moi-même avons eu une journée extrêmement productive. Dans mon bureau et pendant notre déjeuner de travail, nous avons examiné une gamme de sujets très étendus qui ont bien sûr porté sur nos préparations pour les deux rencontres au sommet du mois de juin. President Mitterrand will host this year's economic summit in Versailles. And we are, along with the other participants, committed to a conference which will help the industrial democracies deal more effectively with today's economic challenges. C'est le président Mitterrand qui recevra cette année le sommet économique à Versailles, et nous-mêmes, tout comme les autres participants, sommes pleinement engagés à avoir là une conférence qui aidera les démocraties industrielles à faire face avec plus d'efficacité aux défis économiques d'aujourd'hui. With that in mind, I look forward with special pleasure to my visit to France, America's oldest ally. Donc, je me réjouis tout particulièrement de me rendre en France, qui est l'allié la plus ancienne de l'Amérique. We also touched on the Atlantic Alliance summit and the need to demonstrate allied unity and resolve in response to Soviet expansionist pressures. I will attend that summit in Bonn with the greatest of interest and commitment. Nous avons également parlé de la rencontre au sommet de l'Alliance Atlantique et du besoin de démontrer l'unité et l'esprit de résolution des alliés en réponse aux pressions expansionnistes soviétiques. J'assisterai à la rencontre de l'Alliance Atlantique à Bonn avec énormément d'intérêt et un sentiment très profond d'engagement. As I indicated a moment ago, our talks were comprehensive. Since President Mitterrand has just returned from Israel, I was particularly interested in his assessment of the peace process in the Middle East. Je l'ai dit il y a un instant, nos entretiens ont été exhaustifs puisque le président Mitterrand rentre tout juste d'Israël. J'étais particulièrement intéressé par son évaluation sur le processus de paix dans le Moyen-Orient. Regarding Central America, I believe that President Mitterrand now has a better understanding of United States policy objectives in that troubled region. Our discussion on this subject was particularly candid and thorough. En ce qui concerne l'Amérique centrale, je crois que le président Mitterrand comprend maintenant mieux les objectifs des politiques des États-Unis dans cette région troublée. Notre discussion à ce sujet a été particulièrement franche et étendue. President Mitterrand shares my concern that the failure to promote the evolution of democratic government in this region would have the most serious consequences. The principles and goals that we share suggest that we will be able to work together on this problem in the months ahead. Le président Mitterrand partage ma préoccupation que si nous n'arrivons pas à promouvoir l'évolution des gouvernements démocratiques dans cette région, cela aurait les conséquences les plus graves. Les principes et les objectifs que nous partageons en commun m'amènent à croire que nous pourrons travailler ensemble sur ce problème dans les mois à venir. Our exchange of views on the economic concerns of our two countries was equally frank and productive. President Mitterrand made a forceful and thorough presentation of his government's views on outstanding trade and financial issues. Nos échanges de vues sur les préoccupations économiques de nos deux pays a été également franc et productif. Le président Mitterrand m'a fait un exposé vigoureux et exhaustif des vues de son gouvernement sur les questions dans le domaine du commerce et des questions financières. While it would be impossible to resolve our economic differences in one day,
I think we've made tangible progress toward better communications on these important issues. And now, let me just repeat my personal thanks to President Mitterrand for coming to Washington. Il serait impossible de résoudre nos différences économiques en un seul jour, mais je crois que nous avons fait des progrès tangibles vers de meilleures communications entre nous sur ces questions importantes. Pour terminer, je veux renouveler au président Mitterrand mes remerciements personnels pour être venu à Washington aujourd'hui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, mes premiers mots seront pour remercier Monsieur le Président Reagan de l'accueil réservé à Washington au Président de la République française. Well, ladies and gentlemen, the first thing that I would like to say is to thank President Reagan for the welcome extended here in Washington to the President of the French Republic. Cet accueil a été comme il paraît bien normal, amical, ouvert et franc. Comme il vient d'être dit, nous avons abordé de très nombreux problèmes. Certains d'entre eux étaient préparés par les échanges continus qui ont lieu entre nos ministres, nos ambassades et nos représentants de toutes sortes. Mais cette discussion directe, après que j'ai eu l'occasion de rencontrer moi-même plusieurs responsables de la politique européenne, après un récent voyage en Israël, et devant les événements qui chaque jour se produisent, soit en Europe, soit en Afrique, soit en Amérique latine, donnait à notre conversation un ton d'actualité et justifiait qu'elle eût lieu. Well, the welcome extended to us was, as is in the very nature of things, of course, both friendly, open and frank. We were able to talk about a number of problems. Some of them had been prepared, of course, by the continuous exchanges which exist among our ministers, our embassies, and representatives of all kinds. But direct talks such as these, after I have recently had opportunities of meeting a number of European political leaders and following my recent visit to Israel, and in the light of the events that take place each day in Europe, in Africa, in Latin America. Well, because of all these reasons, it was natural that our talks today were brought to bear on a number of very topical problems, and indeed such talks are in themselves very fruitful. La raison première de cette rencontre et de mon voyage aux États-Unis d'Amérique était de préparer de façon précise la rencontre dite au sommet des pays industrialisés qui aura lieu à Versailles, en France, au début du mois de juin prochain. Cette conférence aura bien entendu à examiner la situation économique, monétaire, financière que doivent aujourd'hui affronter nos pays. Et notre devoir est de chercher à harmoniser suffisamment nos objectifs pour que nous nous aidions plutôt que de nous gêner. À cet égard, j'ai pu observer qu'il s'agissait là d'une préoccupation commune. And indeed, this certainly fully justified making this trip. Now, the prime reason for my visit to the United States was to prepare, in more specific terms, the so-called summit of the industrialized nations, which will be meeting in Versailles in France at the beginning of June. And the conference will be
an opportunity of considering the economic, monetary, and financial problems that our countries have to face. And the purpose of the exercise being that we should harmonize our goals so as to be able to lend each other mutual assistance and not hindrance. And it is clear that in that we see very much eye to eye. Un autre sommet suivra à peu de jours près, le premier. C'est celui qui aura lieu à Bonn et qui réunira les pays de l'Alliance Atlantique. Cela nous a naturellement conduit à évoquer les problèmes Est-Ouest et particulièrement l'état des relations avec l'Union soviétique, la nécessité de représenter une force afin d'aboutir à la négociation. Bref, la recherche de la paix dans l'affirmation de nos droits et du droit des peuples, particulièrement de l'Europe. Then we talked of the other summit meeting that will take place a few days afterwards in Bonn, which will be the summit meeting of the Atlantic Alliance. And so naturally that led us to discuss East-West problems and in particular the relationship with the Soviet Union and the need to demonstrate our force so as to be able to further the possibility of negotiations and so as to be able to work towards peace while asserting our rights and the rights of the peoples of the world and in particular of Europe. Nous avons, comme le président Reagan vient de le dire à l'instant, parlé de l'Amérique centrale. À cet égard, j'ai répété ce que j'ai souvent dit moi-même en France et en Europe, que notre premier devoir était de lutter contre la misère, l'exploitation et la domination de dictatures toujours sanglantes. Et comme il vient d'être dit, la recherche des voies difficiles à trouver, mais sur lesquelles nous devons et nous nous engagerons, de gouvernement démocratique, tel est le point commun sur lequel nous avons pu rapprocher les points de vue. And as President Reagan has just said, we also talked about Central America. And I repeated what I have often stated in France and in Europe, that our first duty is to fight against poverty and the exploitation of human beings and the domination on the part of bloody dictatorships. And as has just been said, the search for the, we must work in order to find the way of furthering, and this is not always an easy path to discover, but the way of furthering the cause of democratic government. And there, there is something that we have in common and that leads to a meeting of the minds between us. Vous savez que je pense, pour ma part, que tout ce qui permettra aux puissances démocratiques d'Occident de comprendre mieux et d'aider davantage les peuples en révolte à s'acheminer vers la paix civile d'abord et vers plus de liberté sera bon. À cet égard, j'ai apprécié, j'en avais d'ailleurs fait état il n'y a pas si longtemps à Paris, en recevant le chancelier Schmitt, des propositions économiques faites pour le plan des Caraïbes, qui s'applique aussi à l'Amérique centrale. On a le plus grand besoin d'une aide cohérente, cela va dans le bon sens. La route sera sans doute encore longue,
Encore faut-il l'éclairer. C'est ce que nous avons cherché à faire. And I feel that we should do that everything that can enable the democratic powers of the West to achieve a better understanding and to be able to give more assistance to the peoples that are rebelling against their fate and that can lead to peace, civilian peace, and more freedom is a good thing. And as I said when I was receiving Chancellor Schmidt, that I appreciated the economic proposals made in the context of the Caribbean plan, which would also apply to Central America. It is clear that what is needed is more aid and consistent aid. And I think that what is being suggested is a step in the right direction. The path to be followed will clearly be a long one, but everything that is done that can show us where that path lies and can enlighten us in that respect can but be a good thing. Pour le Proche-Orient, j'ai déjà récemment, c'était la semaine dernière, dit ce que j'en pensais. Il était normal que notre conversation ici avec le président des États-Unis d'Amérique portât sur cette grave question. Nous avons constaté que l'affirmation des droits d'Israël et l'affirmation du droit de tous les peuples de la région devait permettre avec patience et ténacité la définition d'une politique de paix, dont bien entendu nos deux pays ne sont pas juges, mais qui devront un jour ou l'autre intéresser les pays intéressés de la région. As far as the Near East is concerned, I was in the area recently and only last week. I indicated what my feelings were on the subject, and it was therefore only natural that in talking with the President of the United States that we should in fact also discuss those very serious questions. And we found that the assertion of the rights of Israel and the rights of all peoples of the region should make it possible to define with patience and tenacity the policies that will lead to peace. Now, our two countries are not the ones to pass judgment on such policies, but they are policies which should be of interest and concern to the countries directly involved in the area. Enfin, nous avons évoqué nos relations bilatérales. Ces relations sont faites d'amitié, mais cela est une longue histoire qui ne fait que continuer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de franchise, c'est-à-dire que des amis et des alliés sur la scène du monde ont pour mission de faire valoir leur point de vue dans un seul objet, celui de les rapprocher lorsqu'ils sont différents et de les affirmer lorsqu'ils sont similaires afin de donner une certaine direction au peuple qui s'inquiète. Je terminerai en disant que l'hospitalité que j'ai reçue m'a fourni l'occasion, une fois de plus, de ressentir la profondeur des liens qui nous unissent. Et j'ai bien l'intention, la prochaine fois, puisque ce sera dans mon pays, de continuer d'agir dans ce sens, parler, discuter, marquer méthodiquement les points sur lesquels on peut ensemble avancer et servir autant qu'il nous sera possible les intérêts de la paix du monde. Merci. C'en est fini.
Je me retourne maintenant vers le président des États-Unis d'Amérique en lui exprimant mes plus vifs remerciements. Now, lastly, on bilateral matters, well, there we were talking among friends, and there, of course, that is a long story that goes back many years. But we were able to discuss these matters, frankly, as friends and allies whose calling it should be in the world to express their views clearly, so as to be able to bring them closer together when they are not the same, and in order to be able to assert them with greater force when the one's positions do converge, so as to be able to give the right kind of orientation to the peoples of the world who are waiting with anxiety for the outcome. Now, as to the hospitality that has been extended to me, I would like to say that it has given me again the opportunity of feeling the real depth of the ties between our two countries. And I certainly intend on the next occasion, which will be in my own country, to continue along the very same lines. In such talks, we have been able to discuss matters, and we must continue to do so, to talk about these issues with method, in order to be able to indicate clearly the areas on which we can move forward together, and in order to be able to serve to the best of our ability the cause of world peace. So my last words will be to say thank you, and I turn particularly to the President of the United States in order to extend to him directly my heartfelt thanks.